Donc très beau tournoi, très serré, hein, donc à l'arrivée le joueur de tête a perdu, ce qui fait qu'il y a deux premiers ex-aequo, il y en a un qui gagne au départage, c'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, ils se sont joués, ils ont fait nul entre eux, et après on a vu leurs adversaires, et il y en a un dont les adversaires ont fait plus de points que l'autre, c'est grâce à ça qu'ils gagnent. Chauvinistement, c'est pas une catastrophe puisque c'est un régional de l'État. Il n'en est pas à son premier fait d'armes. Donc, vous pouvez tous applaudir Julien. Merci Bernard. Alors, vas-y, Julien. Félicitations à encore une fois vainqueur. Alors ensuite, il y a des chèques culture, donc il y en a un peu plus pour le deuxième et le troisième. Puis après, chacun a un chèque culture. Donc, le deuxième, à vrai dire, assez malheureux, hein, on peut considérer qu'il est premier ex aequo, puisqu'il a gagné trois parties et il a fait nul avec Julien. Il est battu pointure par les quelques savants du départage. Donc bravo, très beau tournoi, c'est Fabrice. Il avait la gagne en main, il s'est écroulé. Juste au moment où on va gagner, il avait tout fait, et puis juste au dernier moment, un dernier obstacle, et puis Père Fabrice a glissé une embûche. Mais très beau tournoi, bravo Valentin. Alors ensuite, on va. Je vous appelle plus ou moins dans l'ordre, 4e, 5e, 6e, Jean-Alexandre Walid avec 3 points, bravo. À l'atelier échec en pleine forme. Donc vous pourrez voir auprès du service culture. Alors pour ceux qui se sont inscrits sur place, vous n'aurez pas les mails si vous voulez être mis au courant des. Les gens qui veulent être au courant des prochains tournois, laissez votre mail à Julien. Merci Alexandre. Pour ceux qui ne reçoivent pas les mails, je voudrais les recevoir. D'accord. Mais on ne va pas répondre. D'accord.